Bon, ben salut tout le monde, il est présentement 5h42. Un petit réveil de bonheur parce que je m'en allais travailler. Puis il y a une cellule qui a levé direct sur Montréal. Donc, si vous êtes dans la région montréalaise, Saint-Lambert, Saint-Hubert, Saint-Bruno, Boucherville, Varennes, vous avez un show d'éclair en ce moment. Je vais faire un petit live rapide là, avant que j'aille travailler. Donc là, présentement, c'est sur le pont Victoria. Ça arrive sur le pont Jacques-Cartier. Fait que là, c'est le gros déluge à Montréal. Oh wow! Faut pas être rendu à fin août pour avoir un orage matinal. Je pense que c'est le premier cette année. Québec aussi, je sais pas, j'ai pas regardé, là, moi je me... Ah ouais, je vois ce qu'il y a... Ah ouais, il y a des... Oh, belle ligne sur Québec! Donc, Montréal puis Québec ont des orages ce matin. Le tonnerre commence à se faire entendre. Pas d'électricité à Montréal. Bon, ça commence bien la journée. Moi, je suis présentement à Boucherville, là, près de l'autoroute 30. Oh wow! En tout cas, c'est le front froid qui va balayer ce matin. Oh, bon coup de tonnerre. Bonne journée tout le monde. Oh wow! C'est un beau réveil à matin. Donc après ça, il y a des averses qui s'en viennent. Fait que ça va être des averses avec des risques d'orage ce matin. Ensuite, il va y avoir le dégagement. Puis, hein. Ouais, il va faire soleil, il devrait faire soleil après. Hein. La pluie commence à arriver. Hein. Oh, tabarouette! Il n'a plus commencé à arriver.
attendre. Je vais juste me tasser un petit peu. C'est en train de devenir une grosse tache de pluie forte avec quelques éclairs. Ouais, une belle arrache du matin. Oh! Vois-tu sur la cellule en ce moment, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19. À peu près 19 éclairs sur Radarscope avec cet orage-là. Pas l'arc en matin. Les prochains jours vont être déterminants. On peut tout de suite écouter Yvon Michel. Il a tenu un point de presse hier pour. Bon, je vais m'en aller bientôt vers la job. Je vais continuer à filmer parce que là, je passe devant moi. Tantôt, il y avait de la graisse dedans.
c'est le gros déluge sur la 30. En hauteur de Saint-Bruno-Saint-Victorville. Ça va faire du bien. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas mouillé de main ici. Bon, regarde mes deux tapettes pour tout le monde. Bon. Hein? Bravo. Un petit peu excité là, hein? Pour rouler à 130 un matin, même si c'est mouille. Eh bien, ça, ils sont tous dangereux, quand même, hein? Les gars, ils roulent pas de lumière. C'est le gros déluge, attention à l'aquaplanage.
costait fort tantôt. Là, ça vient de... Oh! C'est une belle éclair à ma droite. Là, je suis rentré à Varennes, puis j'étais à la zone la moins forte, puis il y a encore des éclairs dedans pareil. D'Anjou, quelques éclairs. Ouais, c'est arrivé sous Montréal, il n'y avait pas beaucoup d'éclairs. Ça s'est renforcé. Puis sur Saint-Hubert, Boucherville, là, ça a pété. Là, ça arrive sur Saint-Basile-le-Grand, là, ça a faibli. Donc, il y a de bonne heure aussi un matin. Là, moi, je suis en direction où aller travailler, donc je fais pas grande chasse ce matin. C'est juste que fallait que je vous le partage. Le timing était parfait, je me suis réveillé la cellule arrivée. Comment bien commencer le lundi, le début de la semaine? Auburn Park qui va être touché. Dans le fond, la cellule allonge la 116. À partir de Saint-Hubert jusqu'à Auburn Park. Saint-Hilaire. Une autre cellule qui est en train d'élever en arrière sur Montréal encore une fois. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Mais ça suit les mêmes traces en arrière. Puis il y a de quoi de quand même assez fort dans le coin de Huntington en ce moment. Donc ça va être à suivre.
là, j'arrive à la job. Fait que sur ça, bonne journée à tous. Puis on se reparle en fin de journée si jamais quelque chose. Donc là, en ce moment, il y a une cellule d'orage sur Belleuil. Il y a d'autres choses qui sont en train de lever sur Montréal. Puis il y a une cellule avec beaucoup de foudre dans le coin de Huntington. Donc sur ça, bonne journée, puis on se reparle.